Et salut à tous, c'est Jeupacor et on se retrouve pour le 9e épisode d'Ori and the Blind Forest. Et on commence alors que je me prends plein de dégâts. Wouhou! Bref, la dernière fois on s'était un peu perdu, cette fois-ci je sais pas où aller. Et avant de commencer, je voulais vous montrer un truc, c'est qu'en fait si on peut très bien faire 360 degrés avec frapper, c'est pas un problème, c'est juste que tout comme avec se lancer, il faut changer les touches. Et moi, je faisais toujours gauche-droite, donc c'est pour ça que j'avais ce souci. Enfin bref. Du coup, j'espère que ça va m'aider. On verra bien. Pour l'instant, on va juste repartir. Et pour cela, wow, il m'a bien snipé là. Pour cela, il va déjà falloir remonter. Alors, hop. Voilà, vous voyez, comme ça je peux monter tranquillement. Et ça ne pose pas de soucis, et c'est cool. Alors, comment est-ce que je suis censé remonter? C'est une très bonne question. Hop. Là, c'était où j'étais. Je peux resave. Je pense qu'il va falloir que je passe à... Ou alors est-ce que c'était par là? Je ne sais plus. C'était peut-être par là. Enfin bref. Là où on a ouvert la switch pour aller à droite, en fait, il fallait aller à gauche. C'est tout. C'était aussi simple que ça. Et voilà donc la suite. Je me demande si on pouvait voir sur la map. Je sais pas si on pouvait voir sur la map. Si c'est le cas, je suis un peu idiot, mais bon, c'est pas nouveau. Hein. Hop. On va refaire ça. Passe ça ici. Un morceau de pierre carte, ok. Et toi, alors, du coup, faut que je me réhabitue. Voilà. Hop là. Deuxième morceau de pierre carte. Donc, ça serait bien, par contre, à un moment qu'on trouve une pierre carte, mais bon. Alors, ici, qu'est-ce qu'il y a? Quelque chose, je pense que c'est pour utiliser avec notre. Non, c'est pas pour ça. Allez! Voilà, si, fallait bien utiliser ça. Et ça nous donne accès à une série de compétences. Très bien. Ok. On va descendre tranquillement. Oh! Wow! Alors là, ça va peut-être être un peu difficile. J'ai loupé. Dommage. C'est pas grave, j'ai une série de compétences à la place. Ça va. Je suis pas non plus à plaindre. Hop. Alors. Est-ce que peut-être je peux te faire respawn pour essayer au moins? Allez. Ouais, là c'est mieux. Hop. Donc nous avons accès à ça. Mais pour y accéder, il va falloir qu'on t'utilise encore une fois. Allez mon chou. Viens par là. Parfait. Alors, qu'est-ce qu'on a par ici? Eh bien, c'était pour la carte. Parfait. Étant donné que je tends à me paumer, je pense que ça va m'aider, quoique ça a l'air assez linéaire. Donc, on va espérer que je puisse m'en sortir. Bonjour. Alors, j'ai encore un petit peu mal. C'est beaucoup moins intuitif qu'avec Astic où on pourrait juste mettre la direction qu'on veut du premier coup, je l'avoue. Mais bon, j'arrive pas à jouer avec ma manette, donc c'est pas grave, je me suis bien débrouillé jusque-là. On fera avec. Alors, efficacité du Viadam, voilà, c'est ça que je voulais. Réduit de moitié le coût du Viadam et après triple saut et ultra défense. Tous des trucs géniaux. Bonjour. Alors, est-ce que j'ai besoin de toi? Je parie que j'ai besoin de toi. On va faire comme ça. Non. De toute façon, j'avais pas besoin de lui. Alors, je suppose que c'est le même ennemi que celui qu'on a déjà rencontré. C'est le même type d'ennemi qu'on a déjà rencontré. Aïe. Mais qui fait plus de dégâts. Je suppose que c'est ça. Aïe. Et qui a eu plus de vie peut-être. Aïe. Je sais pas pourquoi j'ai fait aïe. Je me suis même pas pris de dégâts là. Mais bon. Ne vous en occupez pas. Maintenant je peux faire des adams plus souvent. Ceci dit. Waouh. T'es qui toi? Qu'est-ce que tu fais? Ok. C'est toi. D'accord. Pas de soucis. Voilà. T'as le droit de mourir comme ça. Tranquillement. Rien par là. Ici, qu'avons-nous? Hop.
On va activer ceci. Je sais pas si c'était nécessaire. Ok, donc j'ai bien fait. Oh. Ah oui, aussi, on peut garder à vitesse de frapper si on touche pas de direction. Ça, je devrais utiliser. Je me demande si c'est la même chose avec le sprint. Faites voir. Ah, j'ai pas pu tester. Non, attendez, on va monter. Hop. Aïe. Mon dieu. Je vais faire une save. Voilà, merci bien. Et je veux monter. Voilà. Non, non, ça nous ralentit. Ok, donc c'est que avec frapper. Voilà, voilà. Donc en fait, il faut juste que je mette vers la direction que je veux aller. Et ça se passe très bien. Bon, tu veux pas m'aider? Non, bon. Je vais prendre un petit peu d'XP. Est-ce que je peux faire avec toi? Oui. Alors, oula, autrefois luxuriante, couverte de glace aujourd'hui. Ceux qui ne les ont pas fui n'ont pas payé de leur vie. Et c'est d'accord, c'est notre prochain donjon, je suppose. Bonjour. Appuyez sur Z pour entrer. Waouh. Ruine éplorée. Donc effectivement, c'est notre deuxième donjon, on dirait. Les ruines éplorées, c'est ici que vivent les Gumons. Ils bâtissent d'incroyables structures et ils apprennent de la lumière de l'arbre des esprits afin de la protéger. Ok. Oh non. Quoi? Ces Gumons ont été pris dans la glace et n'ont pas pu s'enfuir. Lorsque l'élément des vents a perdu sa lumière, ces ruines sont devenues leur tombeau. Ah, c'est sympa. Alors, qu'est-ce que... What? Ça fait des dégâts, ça? Sérieusement? Ok. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Les Gumons étaient d'ingénieux inventeurs. Ils anticipaient un avenir prometteur qui n'arriva jamais. Tu vois ce brasier de lumière spirituelle? Il est utilisé pour préserver la lumière de l'arbre aux esprits. Cool. Et donc? Ok, très bien. Donc à nouveau, il va falloir... D'accord. Utilise un brasier de lumière pour activer les structures de Gumon et marcher dessus sans subir de dégâts. Et je peux même... D'accord. Je marche sur les murs maintenant. Ok. Plutôt pas mal. C'est un peu perturbant, mais c'est pas mal. Du coup, est-ce que je peux faire ce saut? Non, je ne peux pas. Ok. Oh non. Allez, oui. Je sais. On va pouvoir faire ceci. Voilà, et en fait, ouais, d'accord, il suffisait juste de lâcher l'objet et comme ça, j'étais remis en bas. Je sais pas pourquoi j'y ai pas pensé la première fois, mais bon. Allez savoir. Ok, on continue à avancer, pas de soucis. Va toujours s'occuper de toi. Hop là. Ici. Allez, tu peux mourir. Merci bien. Waouh, c'était pas loin. Si, ok, il va falloir lâcher et ensuite. Aïe, je peux pas faire de save malheureusement. C'est bien parce que ce truc me suit, donc c'est cool. Je vais l'utiliser. Hop. Là, là, et dernier, hop, et maintenant on va pouvoir progresser tranquillement. Bon, tranquillement, c'est vite dire. Hop. Est-ce que je peux save à de ces jours? Oui, alléluia, une save, ok. Alors. Il va falloir qu'on utilise ça pour progresser, clairement.
Ok, je pense. Je pense que je peux aller chercher ça. C'est bon, je vais. Bien. Aïe. J'ai été un petit peu trop loin, je vais save à nouveau du coup. Et j'ai à nouveau plus de quoi save. On avance. Ok, alors, ici. Je pense que je vais juste lâcher et voilà, beaucoup plus simple. Hop. Ici, je peux progresser sans souci. Je pense que ça a quand même été fait pour faire 100 sprints à la base, mais... GG! J'allais dire, mais je l'ai, donc j'aurais tort de pas en prouver. Je sais pas pourquoi j'arrive plus à faire ça d'un coup. Allez savoir. Voilà, cette fois-ci j'ai réussi. Cette fois-ci aussi, c'était quand même pas si dur. Ok. Là. Non, bah non, on va redéposer là. Et voilà. Là, je pense qu'on est bon. Est-ce que je peux faire quelque chose comme ceci? Ouais, et après... Nice. Ok. Il y en a un autre par là. C'est assez technique. Wow! Vous avez vu ça? J'ai légèrement clippé. Bon, on va pas blâmer ça sur le jeu, parce que c'est vrai que j'ai fait une erreur, mais... Mais le jeu aurait pu la laisser passer, quand même. Hop. Je me suis dit, je commence à me tuer. Et à faire ceci vite fait, bien fait. Donc, c'est le côté positif. Hop. Voilà, on est déjà revenu où on était, vous voyez, pas de soucis. Ici, on va pouvoir mettre la carte. Même si c'est pas le même fragment de carte. Waouh! Alors déjà, immédiatement, je veux aller à droite. Ah non, à droite, c'est... D'accord, il faut d'abord que je collecte tout le reste pour aller à droite. Ok. Ok, j'ai loupé celui-ci, c'est pas très grave. Hop là. Voilà, alors, je vais devoir lâcher ça, très bien. Et ici... Oh mon dieu! Et je peux save. Ah non, ça sauvegardait déjà, très bien. J'étais plus sûr. Allez, redonne-moi ça, merci. Ok, j'avoue, je pensais que je pouvais le faire. Je suis sûr que je peux quand même le faire, si je me trompe pas. Ah bah non. Loupé! Bon, du coup, on a ça, donc on va en profiter pour se régénérer, hein, mais... Mais c'est dommage. Aïe. Mon dieu, j'abuse un petit peu de cette save, je l'avoue. C'est pour ça qu'elle est là, en même temps, je suppose. Allez, on va le faire normalement cette fois-ci. J'ai compris ma leçon. Voilà, on va pouvoir monter. S'occuper de ce monsieur. Mais on a autant à descendre. Et on continue. Parfait. Ok, donc ça, je suppose que ça nous tue. Donc il va falloir timer correctement. Hop, maintenant. Wow, le timing est beaucoup plus serré que ce que je pensais.
Voilà. Et alors ici on va faire une save si je pense pas que j'en aurais besoin. Ah bah évidemment que j'aurais dû utiliser mon truc. Bah ah d'accord, je pensais que j'arriverais à me coller mais non. Ok, donc il faut d'abord se mettre comme sérieusement. Voilà, content. Bah, d'un coup, ça marche mieux. On se demande pourquoi. Waouh. Je peux pas créer diadème ici. Très bien. Ok, c'est bon. Waouh. Ok. Go! Ça devrait être bon là. La structure devrait me protéger. Oui. On va créer Yadam. Hop. Et nous avons notre dernier fragment ici. Parfait. Aïe. Oula. Est-ce que je peux remonter par contre? Parce que j'ai l'impression que j'avais loupé quelque chose. Là, est-ce qu'il y a quelque chose? Non, non, c'est moi. Ok, très bien. On va redescendre. On va prendre ceci. Alors. Hop. Je vais faire comme ça. Voilà, et comme ça. Et ici, nous avons accès à 2 XP. Bon. Non! Ok. Ok, j'ai été trop gourmand, ça marche. On va éviter ça. Parfait. Donc c'est pas la peine d'aller là, en tout cas je trouve. On va juste descendre. Ok, et on arrive à nouveau à l'endroit où on était. Hop. Oh, j'ai pas réussi à faire attendre, faut encore que je m'habitue à ça. Je l'avoue. Aïe. Ceci dit, c'est mieux que quand je savais pas qu'on pouvait faire comme ça. Hein. Allez, ouvre-toi. Qu'est-ce qu'il y a par là? Ah. On a un autre copain. Je sais pas si c'est le même, à vrai dire. Bon. En tous les cas, je pense que ça vaut le coup de faire une save ici. Est-ce qu'il faut mettre ça, notre objet? Ouais. Faut le mettre ça, ok. Oula! D'accord. Ça a formé cette route. Cet hôtel devrait alimenter toute leur invention. Regarde maintenant, regarde ce qu'il a fait. Qu'est-ce qu'il a fait? Ah parfait, maintenant ça a l'air d'être sûr, on peut traverser sans la bouboule. Nickel. Et ça s'ouvre. Ok. Parti sauvegarder. Alors là du coup on va être beaucoup plus agile. Je pense que ça va être sympa. Je me demande si Gumo sait ce qui est arrivé ici. J'espère qu'ils nous pardonneront le fait que nous ayons survécu alors que ne sont plus. Bon. J'ai vraiment beaucoup de save, mais ça c'est des trucs qui one shot donc. Aïe, je me suis totalement loupé. Je pense qu'on peut dire que je me suis totalement loupé. Okay, on peut passer par là, on peut se mettre là, c'est safe.
Bizarrement. Et ici aussi. Parfait. Alors. Du coup, on peut monter. Oui, même si j'ai grimpé, je monte encore avec les saumureaux. C'est une question d'habitude, je suppose. Alors, que nous dit Sein ? L'élément des vents se trouve devant nous, au cœur de cet endroit. Ah, bonjour. Ces ruines sont les derniers vestiges des Gumons, le rappel du triste sort de ce peuple. Gumon a perdu ce qu'il aimait et est le dernier de son espèce. D'accord, donc c'est toujours le même. Ori, nous ramènerons la lumière, pour Nibel et pour la lumière de Gumon, ravivant le moment des vents. Ah, tout de suite, comme ça? Mais j'ai une zone que j'ai pas explorée, moi! Bon, bah tant pis. Ému par ses paroles, il décida d'agir. Pourquoi il a pris ça? Oh oh oh! Ok. D'accord, on plane avec la plume. Très bien. On peut pas utiliser frapper là-dessus. What? Comment je suis censé? D'accord. C'est parti! Wow! What? Comment je suis censé éviter ça? Ça c'est pas cool. Ok, ça c'est ma peau. Ah, ça fait pas tellement de dégâts. Hop, ça devrait être bon. Progresser du coup. Attention au couteau. Alors là du coup comment est-ce que je dois éviter ça? Clairement pas comme ça. Je pense qu'il faut que je redescende et que j'aille en bas. Et troisième. Wow! D'accord, ça te tue aussi, très bien. Si vous voulez. Je sais même pas comment j'ai évité les fois précédentes, j'avais jamais remarqué. C'est pas exactement la même musique que d'Arbre de Gusso. Ça s'entend. Elle a des accents un petit peu plus exotiques, je dirais. Super, j'adore quand je vais frapper. Je manque de temps. Celle-là est plus dure que l'arbre de Gimso, je trouve. Bien. Elle est plus dure peut-être aussi parce que je ne sais pas forcément quoi faire. Là, on redescend et on monte. C'est parfait. Donc c'est pas ce qu'il fallait faire. Il fallait aller en bas, je pense. Je suppose. Pour le coup, je trouve que ce qu'il faut faire est quand même vachement moins clair que dans... que pour l'escape de Gimso. Ok, vers le bas cette fois-ci. C'était par là. Très bien. Ah oh, j'ai pas vu celui-là. Très bien. On monte. What?
J'ai bien vu que ça tombait vers moi, mais j'avais pas le temps d'atteindre le point save. Ou alors, faut pas que j'utilise la plume de courroie, il faut que je m'en prenne. C'est probablement ce qu'il faut faire, j'ai supprimé. Une source, c'est pas très grave. Bon, par contre, là, ça commence à faire mal niveau dégâts. Surtout si je continue à louper. Et. Wow! J'ai survécu. Ok, on monte, on esquive ça, on déclenche ça, et on descend. Ça tourne. Allez, plus vite que ça. Il faut que je fasse attention à ma vie, et puis c'est facile. Hop, il y en a une par là. Si on monte. Et on va redescendre, je suis tellement mort. Ok, je crois que je suis pas censé être là. Ok, ça ne fait même pas de dégâts. Très bien. Oh, j'ai trouvé l'endroit safe. Un autre endroit safe. Un meilleur endroit safe. Je pensais me mettre là en fait. Wow, j'ai pas le temps de faire ça. Ok, c'est la fin de l'escape. On a un point de compétence. Très bien. Nid de Kuro. Oh. Bonjour. Donc c'est un flashback, je suppose. Donc je suppose que... Ah, ok, non, d'accord. Ori avait appris comment par la lumière ils avaient péri. Elle n'avait fait que protéger son dernier enfant chéri. Et je voulais dire moi. Oh. Donc oui, du coup, je voulais dire, c'est un peu logique. Ok, on peut être qu'à un temps limité, c'est ça, très bien. Donc, je disais, c'est un peu logique qu'elle vole la lumière si c'est ce qui tue sa famille. Hop, je suis pas là. Non, je suis pas là.
Ok, on pouvait s'arrêter là, donc c'est ce qu'on va faire. Oh oh. Ça sent la mort. Non, je suis pas là. Ok, donc je pense qu'il faut utiliser ça contre ça. Yes. Parfait. Ok, c'était très sympa ça. Ça m'a one shot, oui. Merci. Moi aussi je vous aime. Hein. Allez, on va avancer. Donc au final, on est toujours assez large hein, au niveau du temps. Hop. Alors, on va pas faire la même erreur deux fois. Ok, donc maintenant, il faut que je vole normalement. Parfait, on peut monter. Ok. Donc, il me faut l'aide de ce truc. Je pense que c'est bon. On va aller voir. Yes, parfait. On peut avancer. On va faire une save. Non, on peut pas faire de save. Très bien. On est censé faire en une fois. Là, je pense que c'est par là. La zone save. Quoique, je suis pas sûr. Ok, c'était scripté. D'accord. On avait juste temps. Ok. Nous l'avons échappé belle. Je comprends mieux pourquoi il nous en veut tant. Si Kuro nous pourchasse, c'est simplement pour protéger son enfant. Ori, n'oublie pas qu'il nous reste encore à réviver l'élément de la chaleur. La pierre solaire que nous cherchons se trouve sur les hauteurs du col du chagrin. Chevauchons les vents, ils nous montreront le chemin. Très bien. Donc... on va faire une save et on va s'arrêter là pour cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un j'aime, à commenter, à partager et à vous abonner si ça n'est pas déjà fait. Et sur ce, c'était Jeu Pas Corps. Allez, ciao tout le monde !